tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui Psaume au chapitre 20. Psaume chapitre 20, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 20, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Jésus agit encore, alléluia. Jésus agit encore. Jésus agit encore, alléluia. Agit encore. Jésus libère encore, alléluia. Jésus pardonne encore, alléluia. Jésus guérit encore, alléluia. Amen. Prends tes côtés, Jésus guérit. Amen. Prends tes côtés, Jésus guérit encore. Jésus parlait encore, alléluia. Jésus parlait encore, alléluia. Amen. Prends tes côtés, Jésus parlait encore. Amen. En tes côtés, Jésus parle encore. Oui, que ton nom soit béni encore, mon Sauveur. Tu parles encore aujourd'hui. Comme en ce jour-là, mon bénémoine Père, tu as démontré que tu étais le Dieu des cieux et aussi de la terre, mon Sauveur. Que tu conduis toutes choses selon ton bon plaisir, mon Roi. Et tu accomplis réellement aussi ta parole et tes promesses, mon Seigneur. Aujourd'hui encore, nous sommes heureux de pouvoir être aussi des témoins de ce que tu es le Dieu qui ne change point, qui n'a jamais changé, mon Sauveur, qui demeure toujours le vrai, le juste. Père Saint, tu es bon, l'Éternel, mon Roi. Nous rendons gloire à ton nom de ce que nous avons ce privilège de marcher dans ce monde avec toi et d'être toujours encore conduit par ta main puissante, mon Roi. C'est vrai, peut-être que nous ne nous rendons pas compte, mon Roi, nous sommes vraiment un peuple privilégié, mon béni, Père Dieu, de marcher avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Merci pour ton amour et ta bonté, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Merci encore pour ta miséricorde, mon bénémoine Père Tubissant, pour le soutien que nous apporte encore à chaque instant, mon bénémoine Père. Tu es celui qui nous protège, celui qui nous conduit, celui qui nous soutient, celui aussi qui pourvoit aussi pour tous nos besoins et tu nous guéris toutes nos maladies, mon bénémoine Père Dieu, comme l'avons aussi entendu, mon roi. Véritablement, tu es tout pour nous, notre Dieu. C'est pourquoi nos cœurs et nos âmes s'élancent encore vers toi, mon Dieu, pour te dire combien tu es merveilleux, Seigneur. Nous avons cherché
cherchés, nous n'avons pas trouvé. Ce n'est que toi seul que nous avons trouvé, mon roi. Sois béni encore, mon bien-aimé Père Dieu, pour cette soirée et les cantiques que nous avons chantées, mon bien-aimé Père Dieu, et la joie d'être encore dans cet endroit, malgré les conditions, mon bien-aimé Père. Mais ton peuple s'y trouve, mon bien-aimé Père Dieu. Et je prie aussi pour ceux qui sont au loin, connectés aussi en cet endroit. Seigneur, tu es le Dieu qui bénit, qui soutient encore davantage, mon roi. Ceux qui sont malades aussi, maintenant, qui sont aussi guéris, bien-aimé Père Dieu, parce que tu es le Dieu qui nous guérit encore, mon sauveur. Merci pour chaque cantique. Merci aussi pour le psaume. Combien nous sommes heureux de pouvoir également entendre cela, Père. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, que notre Dieu soit béni. Il bénit encore aujourd'hui. Il parle encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous ne cesserons de compter sur sa bonté, son soutien et son appui, et aussi lui être reconnaissant en toutes choses, comme l'Écriture le dit aussi, que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et que nous invitons aussi en nous disant que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité donc ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel notre Dieu. Nous le remercions vraiment de ce qu'il nous accorde aussi, cette grâce de pouvoir être ramené, parce que c'est lui qui nous ramène, comme Élie pouvait prier, il dit, enfin qu'ils sachent que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et c'est une grâce qu'on trouve devant le Seigneur, si il peut nous ramener effectivement à l'emplacement juste, à la chose juste. C'est pour ça qu'on peut aussi réaliser que il avait dit qu'il ramènera le cœur des enfants à leur père, et ainsi de suite. Nous remercions notre Dieu, que Dieu te bénisse, ma sœur. Nous remercions notre Dieu et surtout aussi pour ce qu'il est, comme on dit que son nom est la parole de Dieu, et il est toujours fidèle à ses promesses. Et nous voyons aussi que le plan et le programme qu'il a dressé aussi, établi, de manière à ce que nous puissions avoir cette grâce et privilège d'entrer dedans pour que nous soyons vraiment fortifiés au-dedans de nous et quelque chose de tout à fait exceptionnellement merveilleux. Il y a beaucoup de gens sur cette terre, effectivement, des milliers, des centaines, comme vous pouvez le rendre compte, effectivement, comme l'un des plus grands pays aussi au monde, avec autant de milliers de personnes là-bas, mais ces gens se tournent aussi parce que dans leur cœur, ils ont ce désir profond de pouvoir arriver à pouvoir adorer, mais regarder jusqu'où leur adoration va, effectivement, jusqu'à adorer même les rats, adorer même les singes, adorer même les serpents, donc adorer des choses qu'on ne peut même pas. En fait, ils adorent les créatures, effectivement, au lieu du créateur. Mais toi et moi, Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir avoir à nous cette privilège de pouvoir réellement aussi adorer, non pas comme les autres religions, effectivement, qui ne savent pas, comme le Seigneur disait à la femme samaritaine, vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Elle avait la connaissance, mais pour arriver à pouvoir adorer l'adorateur véritable, il n'avait pas cette connaissance exacte de lui. C'est vrai, et c'est pour ça qu'il lui dit, lui, que nous, nous adorons ce que nous connaissons. Sur cette terre, il y a beaucoup de gens, effectivement, aussi, qui ont à multiples façons de pouvoir aussi voir et croire aussi. Il y en a ceux qui croient en ceci, en cela, effectivement, beaucoup. Mais même ceux-mêmes qui lisent aussi la Bible aussi, ils ont difficile de pouvoir réellement aussi voir et aussi connaître et avoir réellement la connaissance exacte et juste de celui donc qu'on appelle Dieu, qui est donc est censé être donc adoré. Alors, il vous adore, du moins, j'adore Dieu, mais quand tu lui poses la question, donc, quel est, donc, c'est Dieu que tu adores. Vous savez, dans les Saintes Écritures, je pense que c'est dans le livre de la Genèse, non, Exode, pardon, Exode, chapitre 3, lorsque le Seigneur parla donc à Moïse. Et puis, quand il a parlé à Moïse, Moïse lui a posé la question de savoir « Qui leur dirais-je qui m'envoie vers vous ?»
Alors que quand il lui est apparu dans le buisson ardent, je pense que vous vous souvenez de cela. Et peut-être qu'on peut juste jeter un coup d'œil là-dessus. Hein, je pense que Exode au chapitre 3, juste là, nous pouvons peut-être voir. Je pense que ça va être là que Dieu m'aide. Voilà, c'est bien. Exode. Voilà, chapitre 3, le verset 1, qui dit « Moïse faisait donc paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena donc le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. » Là, l'ange de l'Éternel lui apparut donc dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais donc me détourner pour voir quelle est donc cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. C'est bien Dieu. Et il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. C'est extraordinaire quand même que Dieu connaisse son nom. C'est pour ça que nous savons que la Bible a toujours raison parce qu'il dit, mais il appelle ses brebis par leur nom. Donc Dieu ne se trompe jamais. Et quand il dit une chose dans la Bible, nous devons toujours croire que c'est la vérité. Et ça, c'est aussi une assurance pour nous que, peu importe ce que les gens peuvent arriver à pouvoir penser de nous, et nous allons continuer. Et c'est la raison pour laquelle aussi cet homme de Dieu, l'apôtre Jean, quand il écrit aussi dans les Saintes Écritures, comme Dieu a eu à pouvoir aussi le conduire, il exprime les choses telles que le croyant doit être conscient d'abord de ce qu'il est, de manière à ce qu'il ne soit pas effectivement quelqu'un qui est vacillant, incertain. C'est dans 1 Jean 3, puis nous revenons, je pense à cela, 1 Jean 3, il dit une chose, je pense que c'est cela, juste rapidement, dans 1 Jean au chapitre 3, il ne fait pas de cela. Je pense que c'est cela. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Il nous dit ici, 1 Jean chapitre 3, verset 1. Il dit, voyez donc quel amour le Père nous a donc témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et puis il continue, il dit, et nous le sommes. Ah là là là, sans l'ombre d'un doute. Il dit, d'abord, il réalise l'amour que c'est que Dieu lui a témoigné, il nous a témoigné. Vous comprenez cela? Il dit, pour que nous soyons appelés, c'est un privilège, frère et sœur, être appelé enfant de Dieu, être né de Dieu. Vous voyez comment nous le sommes à ceux qui l'ont reçu. Et ça, c'est merveilleux. Regardez bien. Et puis, il dit, et nous le sommes. Maintenant, regardez très bien. Il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Peu importe, je ne cherche pas que le monde me connaisse. Est-ce que vous comprenez? Mais comme je sais que lui me connaît, alors moi, je suis en paix. Je vais être sûr et certain que lui me connaît. Peu importe ce que les gens peuvent dire de moi, parce que ce qui est plus important, c'est que je sois connu de lui. Et puis il dit, mais nous le sommes. Ainsi, il me dit, mais si vous ne parlez rien, tu dis, enfant. Il dit, moi, je sais que je le suis. Parce que lui, il me l'a fait savoir. Toi, tu ne le sais pas parce que tu n'as pas en communion avec lui. Amen. Vous vous souvenez ce que l'Écriture nous dit? Il dit, mais, oh, d'abord, chapitre 1, on dit, parce qu'il nous fait part de cela. Verset 1, il dit, 1 Jean, nous retournons dans Exode. 1 Jean, chapitre 1, verset 1, il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Donc, vous savez bien, non? Il dit, ce que nous avons vu de nos yeux, vous vous souvenez de cela, non? Ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue. Donc, il ne parle pas des autres. D'abord, il dit, mais ils sont donc concernés, nous l'avons vu. Après, il dit, et nous lui rendons donc témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été aussi manifestée. Et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Pour quelle raison? Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Écoutez. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Maintenant, écoutez très bien pour que nous comprenions aussi pourquoi il insiste là-dessus. Parce que, au chapitre 4, il nous dit ceci, regardez bien.
Pour dire que notre communion, que vous soyez aussi en communion avec vous, n'est-ce pas? Que vous soyez aussi en communion avec nous. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Amen. Chapitre 4 de 1 Jean. Il dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. N'est-ce pas vrai? Reconnaissez donc à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement. C'est pas comme ça chez vous, hein? Qui confesse publiquement ça, non? Chez vous, c'est comme ça, hein? Bon, je prends la vôtre, alors. Enfin, je prends notre vie, c'est pas que c'est moi ça. Je veux qu'on reste là-dedans ensemble aussi, je pense. Pire. Voilà. 1 Jean, chapitre 4. Voilà. Alors, il dit, voilà. Reconnaissez ceci, c'est-à-dire l'esprit donc de Christ. Ah oui, reconnaissez donc à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse donc Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Vous comprenez cela? Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Maintenant, écoutez bien le verset 4. Mais vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Vous êtes de Dieu, ça veut dire quoi? C'est que vous appartenez à Dieu. La position de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, écoutez bien. Et vous les avez. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous, ah, il a prié ça tout à l'heure. Celui qui est en vous est vraiment est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais écoute bien pourquoi il parle de la communion. Il dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous ici, nous sommes des dieux. Nous sommes en communion avec le Seigneur. Nous voulons que vous soyez en communion avec nous. Vous comprenez? Pourquoi? Écoutez bien. Nous ici, nous sommes des dieux. Celui qui n'est pas des dieux ne nous écoute pas. Il continue, il dit, mais ne t'écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc si vous, vous nous écoutez, ce que vous êtes des dieux, et que nous et vous, nous sommes en communion. Notre communion est avec Dieu. Donc si moi je suis un fils de Dieu, tu dois le savoir. Alléluia. Ah bah oui, bien sûr, monsieur, quand même. Oui, parce que. Si tu ne le sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Si tu ne le sais pas et que moi je le suis, c'est que nous ne sommes pas en communion. Amen, amen, amen. On dit la profondeur appelle la profondeur. Et puis nous avons lu, je pense c'était dimanche, voici haut qu'il est doux et agréable. Pour qui? De faire quoi? Ah, comment est-ce qu'on devient frère? Ah oui, si. Est-ce que vous comprenez? Je ne pense pas que Goodson peut regarder Déborah et dire, c'est pas ma sœur. C'est pas possible. Quand Goodson regarde Déborah et dit, mais c'est ma sœur. Bah, je ne suis pas trompé de nom. Hein. Bah, voilà, parce que pas moi. Oui. Goodson, tu peux tout faire. Goodson dira, Déborah, c'est ma sœur. Pourquoi? Mais il y a à l'intérieur. Le même sang, la même semence qui a fait que Déborah soit là, c'est la même semence qui a fait aussi que Godson soit là. Il y a une profondeur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est aussi la même chose. C'est pour ça qu'un frère et une soeur ou un frère, ils ne peuvent pas se battre tous les deux. Non. Nous sommes en communion. Ah, je ne sais pas si vous regardez. Nous retournons dans Exode. Je ne sais pas si vous regardez très bien. Nous avons lu cela depuis le début de l'année 2000. Il persévérait. Dans quoi? Ah, dans l'enseignement des apôtres. N'est-ce pas vrai? Et puis dans la communion. Vous enlevez ça, mon frère et ma soeur, vous n'êtes nulle part. La communion fraternelle. Mais bien sûr, mon frère, ma soeur, vous ne réalisez pas, puis vous dites, là, la fraction de pain. Avant qu'on aille à cela, déjà, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. On n'a jamais chassé Judas. Judas ne s'est pas senti très bien. Mais par contre, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée soeur, moi. Te bénisse richement, ma soeur. Que le Seigneur te soutienne. Oui, c'est ma soeur Bambino, je pense que je vois là. Oui. Par contre, vous regardez-moi ici. Que le Seigneur te bénisse. Je crois que Dieu te bénisse. Parce que vous me regardez comme si, non. Mais écoutez bien, non, c'est important. Écoutez bien. Quand Judas est parti, on ne l'avait pas chassé. Est-ce que vous me regardez? Amen. Soyez pas distrait. Hein?
Quand Judas est parti, on a entendu que je te chasse Judas, va-t'en d'ici. Non. Simplement, pendant que le Seigneur te voit parler, Judas s'est senti mal à l'aise, il est parti. Mais par contre, où se trouvait Jean? Sur la poitrine. Il pouvait parler, il pouvait parler. Jean était toujours sur la poitrine. Il ne pouvait pas quitter le maître. C'est-à-dire qu'on lui dit, mais Jean, puisque toi tu es lui, il a dit, pose-lui la question, mais il dit qui là? Il parle parce qu'on ne comprend pas. Il dit, mais l'un de vous me trahira. L'un de vous. Il dit, mais vous vous souvenez quand même, non? Amen. Eh bien, frère et soeur, parce que, vous savez, quand quelque chose de Dieu est dans chacun de nous, on s'y sert davantage. Quand vous commencez à pouvoir, peu importe l'état dans lequel l'autre personne peut être, nous avons toujours entendu ici, je ne dois pas attendre que quelqu'un m'aime pour l'aimer. Non, Dieu n'a jamais dit ça, frère. C'est vous-même qui avez fabriqué ça. De toute façon, il ne me dit pas bonjour, moi non plus. On t'a dit ça dans la Bible. Non, mais vous avez votre propre évangile à vous. Prenons l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ. Mais si vous saluez seulement ceux qui vous connaissent et qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites des grands? Les païens, les publicains, ils font la même chose. Vous, eh ben dis donc, saluez-les, ils te chassent, ils t'aiment quand même. Ah ben oui. Vous voyez, mon frère et ma soeur, oh, nous voulons aller au ciel. Dans quel ciel vous allez aller si tu ne peux même pas encore supporter celui qui est en face de toi qui t'insulte? Ah, c'est quand même merveilleux de voir comment Dieu est bon. Je lisais dans les Saintes Écritures. Nous avons commencé une fois, vous vous souvenez, nous voulions y entrer dedans, c'était moment, nous avons eu, c'était un dimanche. Vous vous souvenez? Vous ne vous souvenez plus. Bon. C'est merveilleux les Saintes Écritures. C'est une grâce merveilleuse de pouvoir, et si vraiment nous pouvons prendre du temps. Frères et sœurs, parce que Dieu nous a accordé une grâce extraordinaire. C'est de pouvoir réaliser que toutes nos souffrances sont finies. Tous nos problèmes ont trouvé leur. Vous ne l'avez jamais remarqué que quand vous avez un problème, quand vous venez ici, vous sentez. Oh. Amen. Mais là, quand j'étais là, mais je sentais que c'était lourd. Comment je vais m'en sortir? Mais je viens ici, mais oh, Seigneur, où étais-tu? J'étais toujours là. Ton problème, il est solutionné. C'est le privilège que nous avons. En fait, lui, il dit, soyez donc parfaits. La parole qui sort de la bouche du Seigneur, notre Dieu, ne peut jamais rentrer à lui sans avoir accompli les desseins pour lesquels il a été donc envoyé. Oui. Toi qui ne sais pas supporter ta voisine, ou ton frère, ou ta soeur qui t'a martelé, je ne sais pas moi, hein, qui a eu à pouvoir même à dire, oh, est-ce que tu connais, est-ce qu'elle est, où il est, et tu dis, ah, oh, si vraiment c'était un frère ou une soeur, il ne pouvait pas me dire, d'ailleurs, moi je n'ai même plus le voir. Et quand je le vois, vous savez comment vous faites, vous, quand vous, quand vous ne l'aimez pas, vous avez un problème, quand vous voyez sur le chemin, même à la salle des escaliers, hein, tu veux monter les escaliers, tu le vois, ouh, tu changes d'escalier, et puis tu dis, gloire à Dieu, alléluia. J'ai dit, je ne sais pas à quel Dieu tu pries, parce que le vrai te dit que quand tu le rencontres sur les escaliers, embrasse-le. Amen. Vous savez, yes, my dear sister, God bless you. Vous savez, l'amour de Dieu ne se fabrique pas. Si vous êtes né de Dieu, ça se trouve en vous. Qu'est-ce qu'on nous dit, frères et sœurs? Vous voulez qu'on les lise? Et puis je vais vous laisser te parler. Vous voulez qu'on les lise pour que vous sachiez ce qu'il vous apporte? Comme ça, vous n'allez pas vous poser des soucis. Ah, Seigneur, je dois... Non. Voilà ce que cet amour de Dieu vous apporte en vous. Vous voulez le savoir? Ok. Alors, prenons dans 1 Corinthiens. Eh oui. Ça, c'est à vous. Dieu vous l'a donné. C'est-à-dire que vous n'allez pas les fabriquer. Il va produire lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Ah, je vais lire avec vous dans la... Pardon, mon Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 3. Alors, il dit ici, 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, il dit ici, regardez très bien. Voilà. 13, pardon. Oh. 1 Corinthiens 13. Il dit... Parce que dans la mienne, ici, il dit... Quand, verset 2, quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, hein? C'est écrit ici l'amour. Hein? Ici, on est qui? La charité. C'est la même chose. Hein? Vous comprenez? Pour que vous puissiez comprendre.
La charité, c'est transformé. Mais c'est spécialement l'amour. Et cet amour-là, vous me suivez? Regardez-moi, s'il vous plaît, parce qu'on a quelques minutes seulement. Cet amour-là, c'est l'amour qu'on appelle Agapao. Donc, c'est l'amour qui vient de Dieu, qui ne fait jamais de différence. Pas de distinction. Non. Parce que notre Père Céleste, il lève le soleil aussi bon pour les ceux qui peuvent chanter de lui comme ceux qui peuvent parler du mal de lui. Mais le soleil brille pour eux tous. Il a dit donc, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce que vous comprenez cela? Pour que je sois, il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu en moi. Voilà. Alors maintenant, il dit, quand j'y mets même le bien, tous mes biens pour la nourriture du pauvre. Sachez bien que, frères et sœurs, tout ce que nous faisons ici, ce que nous enseignons, c'est parce que nous voulons aller quelque part. Et sans ceci, vous pouvez dire que la direction de l'enfer vous est ouverte. Comme le boulevard de Tampadant, le grand boulevard. Vous pouvez chanter, vous pouvez même danser. Si déjà, vous ne pouvez même pas vouloir rencontrer votre frère, votre soeur dans la marche d'escalier, moi je vous dis dans quel ciel vous voulez aller. Je ne sais pas si vous pensez de la bonne manière. Peut-être c'est chez les catholiques parce qu'ils ont le purgatoire. Ou quand tu meurs, je ne sais pas où tu vas, je ne sais pas comment c'est le purgatoire. Il est chaud, il est froid, il est parce que, ou soit tu viens dans la paix, ou soit tu viens dans le côté effectivement des ténèbres, tout ça. Parce qu'il n'y a pas de place intermédiaire. Est-ce que vous vous souvenez? Pour que vous soyez un peu sûr, parce que vous me dites, mais frère, quand même frère, oui, parce que vous pensez peut-être que vous allez être dans un endroit tampon, ou peut-être que les mamans et papas, ou frères et sœurs, ils vont prier, ah, notre soeur qui est partie, ou notre, en intercédant pour que tu quittes le temps, place tampon pour aller dans un bon endroit. Quand Lazare est mort, vous vous souvenez de Lazare? Il est allé dans les saints. Et quand aussi le riche est mort, il est allé aussi dans les séjours. Il n'y avait pas un place tampon hein, pour dire que je reste encore ici. Mes cousins vont prier pour que soit je passe maintenant là-bas ou je passe dans les endroits où il y a le feu. Non, directement ou directement là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on doit comprendre en fait. Okay. Alors, disons maintenant, quand nous avons cet amour divin, vous savez, l'amour divin donne, c'est une joie énorme quand vous l'avez dans votre cœur. Et vous vous sentez toujours heureux. Mais vous ne dites pas même parce que vous ne l'avez pas expérimenté. Mais quand vous l'avez, mais c'est vrai, vous l'avez, on vous voit toujours tout joyeux tout le temps. On dit, mais cet homme n'a pas de soucis. Mais bien sûr que les soucis viennent, je suis humain. Est-ce que vous comprenez? Les soucis vont venir. Mais moi, je ne regarde pas aux soucis. Tu n'as pas de problème avec les gens. Non, les gens ont un problème avec moi. Mais moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Donc ils ont leur fardeau, ils s'en chargent, moi je ne l'ai plus. Oui, c'est vrai parce que quand tu crées des problèmes aux gens, c'est toi-même. Tu ne vas pas dormir la nuit, vous n'avez jamais remarqué. Ton cœur travaille, tu es en colère pour la personne. La personne dort tranquille. Tu dis, oui, quand je le verrai, je le tordrai le cou. Quand je vais, mais tu es dans tes pouvoirs toi-même. Tu vas avoir des problèmes pour. Parce que si tu meurs dans cette condition-là, c'est l'enfer. Lui dort tranquille. Il va mourir, il va voir le Seigneur. Mais c'est toi, quand je le verrai, quand je vais le voir, je vais lui faire entendre, je vais lui dire, il va comprendre qu'est-ce que je suis. Les pauvres, les a prié, Seigneur, prends pitié, prends soin. Il a même prié pour toi, que tu bénisses, que tu le protèges. Mais toi, c'est que tu es en train de pouvoir penser dans ta nuit. Et toi. C'est ça le problème. Bon, nous revenons ici. 1 Corinthiens 13, quand nous avons ça, il dit, mais nous continuons par la nuit. Et il dit ici, verset 3, dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas donc l'amour, donc la charité, eh bien cela ne me sert absolument. Un peu plus loin, il dit, mais quand j'aurai même toute la connaissance, hein? Vous connaissez cela. Alors maintenant, cet amour de Dieu, qu'est-ce qu'il produit en moi? Est-ce que vous comprenez? Donc quand je l'ai moi au-dedans de moi, et parce qu'il faut qu'on voit que si je l'ai, il y a quand même, vous savez, les actes qui suivent, comme le Seigneur a dit, mais toi, tu dis que tu as la foi. Mais sais-tu que, c'est écrit dans Jacques, hein, au chapitre 2, hein, c'est un peu parallèle, j'ai la foi, dit, mais une foi sans les œuvres. La question est celle-ci, peut-elle te sauver? C'est pas moi qui dis. Vous voulez qu'on lise un tout petit peu? Bon, puis nous revenons ici. Dans Jacques, chapitre 2, je pense que c'est cela. Jacques, chapitre 2, il nous faut savoir de cela. Voilà.
Voilà. Il nous dit ici, Jacques chapitre 2, verset 14. Lisons vite et puis nous revenons dans 13, nous pourrons nous arrêter là, si Dieu le permet. Jacques 2, 14, il dit, « Mes frères, vous y êtes ? Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» J'ai la foi. Il n'y a pas d'œuvre. Et puis il dit, « Cette foi peut-elle le sauver ?» C'est la question qu'on pose. Cette foi-là peut-elle le sauver ? Et nous continuons. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? C'est un exemple qu'on a donné. Hein? Allez en paix, frère Jonas, il vient chez toi, et tu vois qu'il garante, il n'a pas de manteau, tu as des manteaux chez toi à la maison, tu regardes, alléluia, frère, que Dieu te bénisse. Ça va, tu vois pas, il tremble comme ça. Et puis, il a travaillé toute la journée, il vient, il y a peut-être la soupe qui chauffe tes mains sur ta cuisinière et tout ça, tu le regardes, quand est-ce qu'il va partir? Le frère dit, alléluia, va en paix. Je donne un exemple, hein. Va en paix. Ah, frère, tu n'as que ça. Oui, je n'ai que ça, soeur. Frère, oh, que Dieu te soutienne, que Dieu pourvoie pour toi. Va. Il est rentré comme ça, sans manteau. Mais toi, tu en as deux ou trois, quatre dans ta garde-robe. C'est un exemple, hein. Alors, maintenant, il nous dit, verset 17. Alors, verset 16, il dit, bon, que vous ne donnez pas ce qui est nécessaire, à quoi cela sert-il? Vous comprenez cela, non? Maintenant, verset 17, il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, bien qu'elle soit, elle est morte en elle-même. Je peux clamer, j'ai la foi. La question était, est-ce que cette foi-là sans les œuvres peut-elle le sauver? Peut-elle le sauver? C'est ça le problème. J'ai continué, il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais vraiment bien. Et puis il continue en disant, les démons. C'est quand même extraordinaire. Les démons le croient aussi. Mais eux, ils tremblent. C'est ce qui est écrit. Donc les démons, ils savent que Dieu existe. Mais bien sûr. Bien sûr, monsieur, mais madame, bien sûr, oui. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui, tu fais bien, mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est comment? C'est pas le frère Lifessé qui a dit cela, hein? C'est dans la Bible. Ah oui, il va dire, oh le frère, il exagère, il ne parle. Non, c'est dans la Bible. Cette foi-là est vraiment inutile. Elle ne sert à rien. Elle n'est qu'à toi. Elle ne sert qu'à toi à pouvoir te pavaner sur la danger. Parce que Dieu n'en a même pas besoin, parce qu'il est inutile. Elle est utile à quoi? À rien. Et c'est cela qu'on doit comprendre, mon frère. Et c'est cela que la chose que nous devons comprendre, que ça ne sert à rien. Donc, maintenant, regardez-toi, pour que vous puissiez comprendre. Je voulais que vous puissiez comprendre. Donc, la foi. J'ai la foi. Mais ma soeur et mon frère, tu as la foi. Mais cette foi que tu as, t'a été donnée parce qu'il faut qu'elle manifeste. Mm-hmm. J'aime Jésus, j'ai l'amour de Dieu. Mais cet amour de Dieu doit aussi. Voilà. Un amour qui n'a pas des œuvres, je dirais entre parenthèses, c'est un amour qui est inutile. Ce n'est qu'un mot que tu portes. L'amour de Dieu, j'ai comme ça. Et puis quand j'aime Dieu, l'amour, en fait, cet amour n'est que pour toi-même parce qu'il n'est pas pour Dieu. Il ne vient pas de Dieu parce que l'amour de Dieu, regarde ce qu'il va produire en toi. Parce que comme l'amour toujours dit, frère, ne vous faites pas vous-même dans vos illusions, je suis chrétien, fils de Dieu. Non, quand on est fils de Dieu, il y a quand même des signes qui se manifestent dans ta propre vie, quand même. Est-ce que vous suivez? Alors, je vais terminer. Regardez maintenant ce qu'est l'amour de Dieu quand il pénètre dedans de toi, ce qu'il produit. C'est pour ça que je prie que Dieu nous aide pour que nous sortions, frères et sœurs, dans notre propre religion que nous nous sommes fabriqués. Parfois, vous ne les voyez pas, mais vous avez votre propre religion, vous marchez avec, effectivement, et vous allez dire, nous sommes à l'Assemblée. En fait, vous êtes là, mais désunis.
les groupes de ceci, les groupes de cela, on s'en... Frère, mais c'est purement démoniaque. Oui. Oh, le Seigneur, mais qu'ils soient tous. C'est pour ça que nous recevons l'évangile. Parce que si l'évangile entre en moi, vous savez, quand il rentre en moi, quand je regarde celui qui est en face de moi, j'ai toujours eu à pouvoir dire, bon, je continuerai ici, ne vous inquiétez pas. Mais, souvenez-vous toujours de ma sœur. Vous souvenez? Quelle sœur? Ah, quelle consolation! Et mon frère, ah, que Dieu vous bénisse, vraiment. Avec nos enfants, les premiers s'appellent des... Ah non, 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 c'était Gaucher. Et puis l'autre enfant, merveilleux. C'était ça, non? N'oubliez jamais. Quand ce moment de trouble vient, souvenez-vous, Sœur Jackie, Frère Jonas, Rocher, quand vous avez ça, vous avez la réponse. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est important, mon frère, ma soeur. Parce que nous sommes ici, non? Quand Sœur Jackie, c'est... Ma soeur Jackie, ça te dérange pas, je peux te donner ton nom. Et Dieu te bénisse. Amen. Et toi aussi. Ah là là. Parce que maintenant, vous êtes devenus des frères avec des noms particuliers. Quand on pense à Jackie, on pense à Rocher, on pense à Jackie directement, frère Jonas. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est important, cela. Sœur Jacqueline appelle mon précieux frère Jonas. Et bien, elle veut dire, vois ça. Elle veut dire, qu'est-ce qu'il va dire? Mais elle, c'est la sœur de mon frère. C'est normal. Et maintenant, que frère Jonas, frère Jonas aille au carrefour. Et tout. Ah non, bon, je change un peu. Que sœur Jacqueline. Bon, pardonnez-moi, c'est un exemple que je vais donner. Et là, au carrefour, vous allez me supporter? Bon, que Serge Saki aille au carrefour, qui trouve Mervedi, en train de regarder comme ça, il prend du chocolat. Je ne dis pas qu'il va faire comme ça. Les enfants sont bien gentils. Mais comme ça, qu'est-ce que la Serge Saki va faire? C'est exact. Vous comprenez? La Serge Saki ne va pas téléphoner à Frère Jonas. Pour dire, ah, Frère Jonas, non, non, non. Vous comprenez? Elle va agir comme si c'était Rocher. Il va tirer les oreilles. Bon, je ne vais pas ça. Vous ne tirez pas les oreilles, mon frère. Il va prendre Mervedi. Il va peut-être un peu les serrer un peu plus fort. Mervedi, je t'aime. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il fait sentir que là, il y a une pression un peu différente de tous les jours. Pour savoir que ce qu'il vient de faire, il ne peut pas le faire. Il fait sortir le chocolat. Il dit, c'est la dernière fois. Il reprend parce qu'il sent que c'est aussi son enfant. Il ne va pas dire, oh, vous avez vous souvenir. Non, 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 non. Il répond à la personne. Et quand Frère Jonas va entendre cela, il ne va pas dire, pourquoi c'est Jacques qui a fait ça que ça, mon enfant? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Vous voyez, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Et, il a été méchant avec mon comment on appelle ça, ma Mervedi à moi, dans ta Mervedi à toi, il a volé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, il va comprendre, non, si ma soeur agit comme ça, gloire à Dieu. Ma vie doit comprendre que si Sœur Jackie tire. Enfin, bref. C'est aussi. Sa maman, vous comprenez? Ça, c'est quelque chose que nous, ici. C'est monsieur qui voit là-bas aux choses-là. Vous comprenez? Je ne sais pas, vous savez, c'est. Permettez-moi. C'est monsieur qui voit là-bas. Ici, que vous venez d'ici. Tous vos enfants. C'est très bien. Effectivement, que ces enfants, là-bas. C'est-à-dire qu'il doit voir que ce peuple, il est différent. Quand vous vous souvenez de notre témoignage de notre sœur Marie-Louise, j'ai dit que Dieu bénisse ma sœur Marie-Louise. Elle ne savait pas, mais si elle avait fraudé dans les trains, et pour que Dieu soit béni, parce que... Non, je donne un exemple, ma sœur, pour que tu comprennes. Ou pas qu'après vous poussiez. C'est toujours un exemple. J'ai dit, Dieu soit béni, il m'a donné de ça comme ça. J'ai dit, mais vous ne fraudez pas les trains. J'ai dit un exemple, imaginez. Comme les gens disent, oh, on ne me voit pas, Dieu me protège. Il ne va pas te protéger à ce sujet-là. Mais elle, avec la paix, elle a acheté son billet de train et s'est assise. Ça se rend compte. Elle a fait normalement. Et puis, c'est monsieur qui vient comme le contrôleur. Il a regardé, il dit, mais toutes les personnes qui vont dans le train, celle-là, elle est différente. Et puis il dit, bonjour madame, puis parle avec nous gentiment. Parce qu'il ne faut jamais être agressif avec les gens dans le train.
On ne sait jamais. Oui, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois de moi? Non, ne faites pas ça. Même s'il a un regard un peu agressif, je vois sur vous. Et toujours dit, comme je disais, une femme. Bon, ça c'est pour nous, dans la, ne vous inquiétez pas, mais si je parle des sœurs. Jamais une véritable sœur, une fille de Dieu ne peut toiser un homme des regards comme ça. Il parle avec toi, tu vois. Une femme. Non, non, c'est vrai. Quand une sœur est comme ça, il faut prier pour sa délivrance. Non, 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 non. J'ai donné un exemple à madame, si je pense c'était aujourd'hui. J'ai dit, il y a un témoignage. Vous me supportez un peu? Je reviens dans l'amour ici, chapitre 13. J'ai donné à votre sœur. Il est là, elle me sourit. C'est vrai, non? Alors, je l'ai regardé, et puis j'ai dit, vous savez, j'ai dit, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez mon frère Branham. C'est qu'un jour, il s'est parti avec un frère, parce que comme lui, il travaillait aussi pour aller acheter des... Écoutez, hein, parce qu'il voulait acheter des vaches pour pouvoir, voilà, pour la reproduction, pour avoir des petits, tout ça, c'est d'accord, hein, des veaux, hein, pour avoir des veaux. Puis il a accompagné un frère qui, lui, s'y connaissait dans les achats. Les frères, il dit, accompagne-moi, on va l'acheter des vaches pour la reproduction. Alors, ils sont arrivés, oh, frère, madame, tout, oh, alors, il regarde comme ça, il voit une vache, elle était bien, bien là, grosse, évidemment, bonne, bonne. Il dit, ouh, celle-ci, elle est vraiment une bonne pour une bonne reproduction. Et puis, il demande au frère, il dit, mais il faut qu'on achète celle-ci, effectivement, elle dit, elle était vraiment bien. Et puis, le frère regarde le frère, madame, il dit, mais si tu as un petit problème, parce que, tu ne te connais pas dans ceci. Je vais t'apprendre une chose. J'ai dit, tu vois celle que tu as choisie là. Il dit qu'elle est vraiment bien, elle va bien. Et ce sera une bonne vache et tout ça, les tirs, tout ça. Il dit, mais en fait, c'est la mauvaise. Pour quelle raison? Il dit, pour trouver une bonne vache, les tirs, regarde-la dans les yeux. Celle-là, dans ses yeux, elle est sauvage. Et comme elle est sauvage, elle ne prendra jamais soin de petits. Elle va le mettre comme ça, il va s'occuper. Comme les gens micro-ondes, par exemple. Vous comprenez? C'est ça le problème. Oui, 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 oui. Ne prenez pas mal. Parce que bon, je sais que beaucoup de jeunes suivent. Et oui, il dit, regarde dans les yeux. Pour pouvoir trouver une bonne vache laitière, c'est les yeux. Quand tu vois que ses yeux sont tendres, sont doux, parce que ça vient de l'intérieur, sûr et certain. C'est ça, parce qu'on va dire, nous sommes révolutionnés, mais une femme dont tu parles avec, il a toujours le regard qui te fixe comme ça. Oui, et on sent même pas. Mais ça, c'est 100% vrai. Vous la prenez à la maison, ben, c'est fini. Ah oui, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il faut d'abord prier pour beaucoup de jours de délivrance. Si c'est là, mais bien sûr. Non, mais c'est sérieux, frère et sœur. Mais... Vous me dites que, oh pasteur, tu exagères, tu nous dis des choses. Non, qu'est-ce qui est écrit dans un pierre? Comment dire une femme? Doux. C'est écrit. Un esprit doux, mais pas un esprit sauvage. Non, 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 tu parles. Oui, 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 oui. Il te fuse. Non, c'est les yeux qui tournent. Il sent que. Parce que. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme et la femme. Tes désirs se porteront vers. Vous avez dit quoi? Ils se porteront vers qui? N'avez pas peur, c'est écrit, ton mari. Et qu'est-ce qu'il est écrit par la suite? Vous avez l'écriture, je vais compléter. Il s'est écrit, il dit, mais c'est écrit pour trouver ton mari. Et qu'est-ce qu'il va faire, lui, le mari? Il fera quoi? Voilà! Si c'est ça, c'est dans la Bible. Donc, en toi, ça rentre directement. Ah oui, c'est doux et tendre. Ah, mais bon, on va revenir ici. Alors, qu'est-ce que, vous comprenez? Qu'est-ce que l'amour produit en toi? Cet amour divin, dis-tu, produit en toi, il produit quoi exactement? Et parce que si il est là au-dedans, tu n'as plus de problème. Ah oui. Vous savez, pourquoi tu n'as plus de problème? Frère, parce que, étant là-dedans, on peut donner un coup de poing. Qu'est-ce qui va sortir? Parce que la nature sauvage, elle est partie. Et puis, il faut éviter. Gloire à Dieu. Parce que tu veux me trouver maintenant. Mais si c'était quand j'étais, on n'aurait même pas fait deux minutes. Hein? Tu aurais senti qu'effectivement, mais alléluia.
Dieu m'a changé. Il ne t'a pas changé. Parce que tu viens de prouver qu'il ne t'a pas changé. Bon, bref, on termine par là. Alors, qu'est-ce que l'amour fait au-dedans de toi, au-dedans de moi? Alors, il nous dit, l'amour, la charité donc, est patiente, verset 4. Ah, la patience, ça on n'a pas. Un frère peut avoir des faiblesses, une sœur peut avoir des faiblesses. Mais on veut directement qu'il soit doux. Mais en fait, soyons patients pour aider la personne et lui faire comprendre, l'exhorter. Et lui, parce qu'aussi le problème, c'est celui-ci. Il faut qu'on soit patient avec les gens. Mais que les gens pour lesquels on est patient comprennent aussi, parce que... Bon, continuons. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Vous suivez? Il n'y a pas de méchanceté. Hein? La charité n'est point envieuse. Et vous comprenez pour quelle raison? Parce que ce qu'il y a à Christian, c'est à moi. Je suis content quand Christian il est bien. Je suis content quand mon frère ici, Vladimir, il est bien. Je vois derrière son visage aussi. Je suis content quand tout un chacun de vous, vous êtes bien. Je ne peux pas être heureux quand mon frère a un problème ou ma soeur a un problème. Il y a quelque part quand ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que chacun de nous, nous devons nous apprécier les uns les autres. Que Dieu nous aide. Voilà, l'amour de Dieu, on est dans Dieu. Nous continuons, il dit, mais l'amour n'est point envieuse. Et l'amour, donc, la charité, pardon, ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. C'est-à-dire, vous ne forcez plus à pouvoir avoir même l'orgueil caché là. Il faut comme non. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, c'est une des choses que je prie que Dieu aide chacun de nous à prier là-dessus pour que le Seigneur déracine même ce petit orgueil là que vous pensez petit là, mais il est dangereux. Parce qu'il a des racines. Souvent, vous savez comment est-ce que vous pouvez réaliser que quand même, quand on vous fait une remarque, qu'un frère ou qu'une soeur te fasse une remarque, c'est comme si toi, tu as toujours été parfait, on ne peut pas te faire une remarque. Tu dois commencer à te justifier. C'est tout, je dis, mais on se justifie quand c'est quelque chose qu'on t'a fait comme remarque. Accepte. Mais tu dois justifier comme si qu'on voit que tu es parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Moi, je dis, je ne suis pas parfait. Je suis un homme qui a des faiblesses. Je ne suis pas parfait. Quand on te fait, on dit, tu te regardes, Seigneur, ah, Seigneur, ah, là, peut-être que je n'avais pas vu. Mais pas directement, tu commences à pouvoir te justifier. Oh non, ceci, 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 cela. Mais c'est là qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la personne. Quand vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, vous savez ce qu'il fait de vous. Et vous pouvez voir la personne qui est au-devant de vous comme étant supérieure à vous. Il n'y a pas d'orgueil, en fait. Oui. On ne s'enfle point d'orgueil. Je fais le temps pour vous partir à la maison. Il ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, n'est-ce pas? Elle espère tout, et qu'est-ce qu'elle fait encore? Alors, si toi, dans les escaliers, tu ne sais pas supporter ton frère ou ta soeur, c'est qu'il y a un problème d'amour quelque part. Ah, mais je ne peux pas le supporter parce qu'il va en tout cas, j'ai appris là-bas. Vous savez, aïe, 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 que Dieu nous aide, frères et sœurs. Et oui, c'est parce que ma bien-aimée sœur Esther m'a rendu témoignage quand elle était partie en Afrique. C'est parce que je dis que j'ai appris là-bas. Elle m'a rendu témoignage quand elle était partie en Afrique. C'est extraordinaire. Alors, vous savez, je termine par là. Là, il était dans l'assemblée là-bas où il était. Puis bon, il y a un prédicateur, pasteur qui est devenu de l'Est, qui est passé, et qui l'a vu, je regardais parmi les soeurs, dit, oh, dit, mais cette sœur est vraiment zélée, on voit la chaleur de Christ, effectivement, l'amour de la parole de Dieu, comment elle est par rapport aux autres, effectivement. C'est lui-même qui avait dit, le monsieur, enfin, le prédicateur.
Et alors, il dit, oulala, là, là, là. Et puis il va parler au pasteur, il dit, mais on voit que parmi les sœurs là, celle-là, il est tellement dans la joie, même quand on chante, il regarde pas, mais il est tout le temps dans, vraiment spirituel. Et puis il pose la question, il dit, mais elle est d'ici ou elle vient d'où? Mais le pasteur dit, non, elle vient de l'Europe. Alors, ben, le pasteur de l'Est en question s'est approché. Il dit, mais ma soeur, comment allez-vous? On voit vraiment que c'est pas l'habituel de voir aussi des gens aussi spirituels, zélés comme ça, aimant la parole. On sent que vraiment que, ah, vous êtes vraiment bien conduits dans les choses de Dieu. Il dit, alléluia, amen. Et puis, il dit, mais vous venez d'où? Ah, il dit, ah, je viens de la France. Il dit, mais vous priez où? Qui est donc votre pasteur? Il dit, mais mon pasteur, il dit, parce qu'on te voit vraiment, j'ai dit, vous devez être bien encadré. Alors, la sœur lui dit, mon pasteur, il dit, oui, parce que vous voulez connaître mon pasteur, il dit, oui. Eh bien, c'est le frère Léonard, il faisait. De la Belgique, il dit, oui. Ah. Bon, sœur, on va un peu parler. Sa charge, elle était spirituelle, elle m'a dit, mais alors, ça s'est un peu avec. Je termine, je vais te court, et peut vous rendre son témoignage elle-même. Et puis il dit, oh, donc de frère, il fait c'est de la Belgique. Il dit, oui, oui, c'est celui-là. Donc je vous dis, effectivement, que c'est lui le pasteur. Est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes dans la parole? Alors, la sœur se tourne vers elle, il va lui. Elle dit, mais. Pourquoi vous me demandez si nous sommes, si c'est dans la parole ou bien, si vous êtes dans la parole, oui, c'est dans la parole, effectivement. Il dit, pourquoi vous me demandez cela? Il dit, non, j'ai demandé parce que, bon, d'abord, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire être dans la parole et dans la parole, ça veut dire que dans la parole. Il dit, bon, il dit à la sœur, il va vous le dire maintenant, écoute, sœur, je vais enlever les gants. La sœur, il dit, mais, il n'y a pas de problème. Tu peux enlever tous les gants possibles. Moi, je t'écoute seulement. Il dit, je veux vraiment enlever les gants maintenant parce que qu'on parle clair, clair. Il dit, oui. Bon, est-ce que vous allez à Krefeld? Ah oui, il va vous le dire. Alors, la sœur dit donc, pour vous être dans la parole, être en communion avec Dieu, il faut qu'on aille à Krefeld. Il dit, si vous êtes en communion avec frère Franck. Il a posé la question à la sœur. Alors, il pose la question. La sœur dit, mais frère, tu es venu ici me voir, pourquoi? Parce que tu as vu quoi? Que j'avais cette lumière de Dieu, et cela, tu as dit, si, n'est-ce pas vrai? Donc tu as vu les idées spirituelles. Alors, mais comment quelqu'un qui n'est pas dans la parole peut être comme tu l'as décrit toi-même? Et puis maintenant, soudain, je t'ai dit que mon passé s'est défaissé, tu changes. Bref, c'est pour vous dire effectivement qu'il va vous raconter l'entièreté appréciée à l'occasion. C'est pour vous dire que vous pouvez entendre quelqu'un parler, avoir parlé du mal de vous. Comment allez-vous réagir? Comment allez-vous réagir? Comment moi je pouvais réagir? Ma réaction c'était que j'aime les frères. Et c'est la vérité. J'ai dit en fait les frères, la sœur lui dit, mais frère, en fait vous avez un problème vous. Est-ce qu'il y fait ça en question? Vous le connaissez? Oh non, vous l'avez déjà entendu prêcher. Allez, écoutez, je vous invite. Vous voulez pouvoir parler, venez à Bruxelles. Prenez le temps, asseyez-vous, écoutez l'homme. Quand vous aurez écouté l'homme, alors vous pouvez maintenant porter le jugement. Vous ne l'avez pas entendu, vous avez seulement entendu Allah, l'autre. Vous avez vu votre moment de témoignage, c'est-à-dire qu'il vous venait quelque part où vous sentez que la parole de Dieu y est. Après seulement, à cause du nom de la personne, vous me changez maintenant, vous vous chargez maintenant contre moi, c'est un taureau. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème chez vous? Donc c'est plutôt vous qui avez un problème. Bref, l'amour de Dieu, quand nous l'avons, effectivement, mon frère et ma soeur, elle ne peut pas vous laisser sans fruit. Et c'est parce que vous l'avez aussi qu'on va vous éprouver. Parce que s'il n'y a pas de preuve, comment pouvez-vous savoir ce qu'il y a au-dedans de vous? Il faut qu'on vous déteste. Il faut qu'on parle du mal de vous. Il faut qu'on vous traite de tout le nom. C'est là qu'on va voir, que vous devez vous-même voir ce qu'il y a au-dedans de vous. C'est vrai, on peut se dire tous, nous sommes frères et sœurs, nous aimons le Seigneur. Mais juste bouger un frère ici. Bouger une sœur ici. Parler du mal de l'un. Vous allez entendre. Vous sortez seulement dans là, à l'extérieur là-bas.
les combats commencent. Oui, il avait parlé du matin, moi. Si, c'est là. Frère et soeur, ça, c'est pas chrétien. Que quelqu'un ait parlé du mal de toi, oublie la personne. Non, mais ton travail, c'est quoi? Pourquoi le Seigneur t'a appelé, toi? Nous étions dans le monde, effectivement, nous avons fait tout ça dans le monde. Mon frère, mais il y a une nature qui change. Je suis censé aimer plus aussi ceux qui me haïssent. Donc c'est là qu'il démontre effectivement que dans mon intérieur, le Seigneur, notre Dieu, a fait quelque chose. N'oubliez pas ceci, nous allons prier. Une foi sans les œuvres est une foi. Si toi, tu n'aimes que celui-là qui est à côté de toi, qui parle du bien de toi, qu'est-ce que tu fais de plus? C'est pour ça que le Seigneur permet que tu aies un problème avec quelqu'un, pour voir que ton amour n'est pas un amour vrai. C'est un amour tribaliste. Un amour de famille. On touche mon frère de la maison. C'est ça que je dis, Seigneur, que Dieu ait pitié de nous. C'est un esprit diabolique que nous avons. Nous avons besoin de pouvoir prier pour la délivrance. J'ai prié que Dieu nous aide, que nous puissions avoir une réunion de la délivrance. Pour qu'on prie, pour que tous ces démons-là qui sont restés, qu'on les a maquillés avec ceci, partent effectivement. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on touche ton frère, même père, même mère, dans l'assemblée, on parle, toi tu deviens aussi nerveux. Ah, on a touché mon frère, on a touché mon frère, on a touché. Mais non, frère, ton frère, même si c'est ton frère, mais ce qui est important, ça veut dire, mais où est-ce que nous en sommes par rapport à la parole de Dieu? Mais c'est important, c'est important. Ce sont des choses charmantes. Quand on les amène ici, on détruit la communion fraternelle. Et je crois que c'est mon grand qui dit, l'enfant de mon frère, c'est. Est-ce que vous comprenez? Et vous avez entendu quand j'ai pris ici nos enfants? Donc notre langage doit quand même. Quand je dis nos enfants, ça veut dire que l'enfant de mon frère Jonas, c'est le mien. Est-ce que vous comprenez? Et si frère Jonas tire l'oreille des rochers, je ne vais pas voir comment ça. Gloria n'est pas là. Enfin, Mary n'est pas là non plus. Où est-ce qu'ils sont, Mary et Gloria? Why don't you sit here? Ok, no problem. Que je vois que frère Jonas a tiré l'oreille des comment? Je parle même pas tirer l'oreille. J'ai pas demandé de tirer l'oreille. On fait bon qu'il est un peu serré, un peu plus fort, rocher. Que on voit Mary commence à regarder frère Jonas avec un air. Il voit frère Jonas se tourner le regard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est. Mais qu'a-t-il. Et puis, soit. Non, bon, je ne peux pas donner ça. Soit celui-là qui marche bien avec Mary. Mary, quand il va le voir. Oui, il me dit, mais. Oh, tu sais, frère, je ne suis pas frère, Jonas. Ah, vous dites, oh, pourquoi? Mais tu sais ce qu'il a fait avant mon petit frère? Ce qu'il a fait à ton petit frère? Ah, mais frère Jonas n'a pas été gentil. Mon petit frère était payé. Et puis, il est venu. Mais c'est pas normal ça, il ne peut pas faire ça. Il fait ça à mon petit frère. Mais qu'il a fait ça à ses enfants. Vous voyez ce que vous avez sémé? Un démon. Et vous dites effectivement que nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main. C'est ça, non? Ne vous fâchez pas, frères et sœurs. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire la vérité maintenant. Ce que vous entendez ici, aussi vrai que Dieu est là, je n'avais même pas pensé dans mon. J'avais une autre écriture. Parce que les gens peuvent dire, ah, les pasteurs, non. Le pasteur avait une autre écriture, effectivement, qu'il devait lire. C'était dans les Hébreux au chapitre 10. Ah oui, c'était Hébreux au chapitre 10. Quand j'ai quitté mon bureau, c'est quand j'ai commencé à lire, c'est comme ça qu'on est parti dans cela. Et puis nous entrons dans ceci, effectivement. Pas préconisé, je n'étais pas dans ma pensée. On peut dire, oh, le pasteur. Non, c'est pas que ça, c'est qu'en principe, Dieu voit ce que nous sommes et que nous devons réajuster les tirs, ne pas laisser des démons tribales, ceci et cela, rentrer effectivement dans la maison du Seigneur. Les démons, on le chasse, on ne collabore pas avec eux. Les démons. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Vous connaissez ces cantiques? Bien, mon grand. Mon ami, le Seigneur passe aujourd'hui
sur ton chemin. Merci. Mon ami, saisis sa grâce dans sa main, et dans sa main. Numéro 110. Mon ami, veux-tu le bonheur, donne-lui ta vie, ton cœur. Mon ami, à sa prière, c'est Jésus, c'est sa voix qui parle en toi aujourd'hui. Ouvre à ton ton péché est pardonné.